Chers paroissiens, bonjour. Comme vous le savez, des mesures particulières nous sont demandées dans les semaines à venir. Nous avons l'intention de pouvoir vivre cette épreuve, puisque c'est une épreuve, dans la communion et dans la fraternité. Voilà, ne pas oublier que les épreuves se vivent dans la prière et en famille paroissiale. La première chose que je voulais vous dire, c'est que, comme vous le savez, on ne peut pas célébrer de messe dominicale en présence d'une assemblée. Donc demain dimanche, je vous propose la chose suivante. Nous allons, nous les prêtres, célébrer la messe à 11h dans la collégiale. Et nous allons filmer cette messe en direct qui va être transmise sur le site internet de notre paroisse. Je vous invite donc à préparer une sorte de petit sanctuaire chez vous où vous puissiez mettre l'écran pour pouvoir visualiser le site et vivre cette messe en famille. Voilà, en famille, avec vos enfants, comme si vous alliez à la messe du dimanche, la vivre ensemble, chez vous, en communion, toute la paroisse ensemble, à 11h. Nous célébrerons dans la collégiale, les prêtres, et vous, chez vous, eh bien, vous vivrez cette église domestique en communion de prière. Et je vous invite vraiment à tous nous donner ce rendez-vous à 11h. D'habitude, il y a des messes le samedi soir, il y a 5 messes le dimanche, mais de tous nous retrouver à 11h, pour vivre cette célébration eucharistique ensemble. Évidemment, il n'y aura pas de communion au corps et au sang du Christ, mais je vous invite à vivre ce dont nous parlons depuis maintenant quelques semaines particulièrement, cette fameuse communion spirituelle, ce désir de communier au corps du Christ qui vient aussi remplir notre cœur de son amour. Nous en reparlerons. Cette messe se fera porte-close dans la collégiale. Juste après, par contre, nous ouvrirons les portes de la collégiale et vous serez invités à une adoration eucharistique. Nous allons exposer Saint-Sacrement dimanche, toute l'après-midi, dès la fin de la messe jusqu'à 18h. Et donc tous les paroissiens, vous êtes invités à venir prier. Priez pour la communauté, priez pour les malades, priez pour tous ceux qui luttent contre ce fléau. Priez évidemment pour le monde et pour l'Église. Nous avons cette mission, nous chrétiens, de porter cette espérance dans nos cœurs. Et donc vous pourrez prier tout l'après-midi devant le Saint-Sacrement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous communiquons par le site internet, comme vous avez cette petite vidéo. Je vous invite à relayer par mail, par tous les moyens de communication que vous avez, ce lien pour que le maximum de paroissiens puissent l'entendre et le voir. Je vous invite à regarder le site paroissial régulièrement, parce que c'est là que nous, membres de l'équipe d'animation paroissiale, nous allons communiquer au fur et à mesure des jours qui viennent tout ce que nous allons vous proposer comme initiative. Et donc nous vous donnerons des nouvelles par le site paroissial, par le groupe Facebook de la paroisse, donc venez vous inscrire au groupe Facebook, par également la newsletter, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les nouvelles. Et on vous demande, votre mission c'est de diffuser toutes ces informations au maximum de personnes que vous connaissez sur la paroisse, ainsi que des mails. Je vais écrire un mail que vous allez pouvoir recevoir avec toutes les précisions pour ces initiatives. Merci, chers paroissiens, de diffuser au maximum toutes ces nouvelles, particulièrement à toutes les personnes âgées qui probablement sont moins habituées à aller sur le site et qui ne sont pas sur Facebook ni sur WhatsApp. Je vous invite vraiment à leur téléphoner. Et ça, c'est le troisième point. Nous, prêtres, nous allons nous rendre disponibles pour venir visiter les personnes qui ne peuvent pas sortir, en prenant évidemment toutes les précautions prescrites de prophylaxie. Et nous allons nous rendre disponibles pour venir donner le sacrement des malades, si certains désirent le recevoir, désirent également se confesser ou désirent parler et être rassurés et ne pas être seuls chez elles. Donc pour cela, vous pouvez joindre la paroisse, vous pouvez joindre évidemment le réseau qui nous transmettront les demandes. Je vous souhaite un bon dimanche, dans l'espérance, restons unis dans la prière, dans la fraternité, et nous prions les uns pour les autres.